Alors, mes amis, on va faire notre vidéo, notre tuto en français et cela, c'est un réel plaisir d'être avec vous en ce moment même que nous parlons. Bon, premièrement, il faut savoir bel et bien que le monde de l'informatique, le monde numérique aujourd'hui est devenu une opportunité pour tout le monde. Là où tout le monde peut créer sa propre entreprise, là où tout le monde peut se débrouiller, d'un jour à un autre, on pouvait en avoir quelque chose à gagner. Même le crédit selon lequel vous avez tout gaspillé pour en avoir la connexion Internet. Pour cela, vous devrez créer une page Facebook. Après avoir créé votre page, j'imagine que vous en avez déjà la page Facebook, il faut aussi activer la monétisation. Pour activer la monétisation, ce n'est pas si difficile que ça. Premièrement, vous devrez directement faire quoi exactement? Vous devrez cliquez dans votre page comme ça. Après avoir ouvert votre page, vous allez directement à paramètres. Ici, dans cette page-là, vous cliquez ici. Après avoir cliqué le paramètre, vous patientez quelques minutes. Vous allez chercher dans l'onglet qui amène directement généralité et autres et tout ça, c'est-à-dire la partie généralité, info sur la page, etc. Vous descendez jusqu'en bas là, vous pouvez voir bel et bien qu'il y en a un pas et qu'il y en a un angle ici qui est bel et bien écrit contenu de marque. Vous cliquez directement dessous. Au moment que vous avez cliqué, le contenu de marque va s'ouvrir. Au moment que ça s'ouvre, vous allez faire tout simplement postuler comme créateur. Et vous cliquez là-dedans. Il va ouvrir une autre page. Cette page-là, c'est qui va vous permettre directement de monétiser votre page web. Alors, du coup, au moment que vous avez cliqué, on va grandir un petit peu comme ça. Qu'est-ce que vous allez directement faire? Vous cliquez tout simplement souvent. Et cette page-là va venir. Et vous allez lire tout ce qu'il y a là-dedans jusqu'au fond comme ça. Et patientez quelques moments. Ça va s'afficher directement que vous devrez envoyer. Du coup, au moment que vous avez envoyé cela, vous pouvez voir directement si la condition, il y en a des conditions, ce n'est quoi nous. Vous devrez en avoir 1000 abonnés, première chose. Secondo, au moment que vous en avez 1000 abonnés, il vous faut aussi 100 combien, comme ça là, 15 1000 vues, c'est-à-dire interactions entre votre page. Ou bien il vous faut aussi combien? 180 000 vues. Ou bien il vous faut encore plus quoi? Ou bien il vous faut encore plus. Si vous en avez par exemple une vidéo que vous l'avez mis en ligne pendant comment? Pendant 1 minute, une vidéo de 3 minutes, que les personnes selon laquelle ont regardé la vidéo, ils ont atteint au niveau de 30 000 personnes regardé la vidéo par 1 minute. Là, il pouvait directement activer automatiquement ce qu'on appelle
la monétisation. C'est ça, c'est les règles. Les règles sont totalement simples. Pour moi, ici, normalement, ça doit se terminer et m'a affiché en plus de cela, envoyé. Mais du coup, je l'avais fait dans notre langue et là, j'ai pas aussi l'effectif nécessaire, c'est-à-dire les abonnés nécessaires dans ma page. Du coup, là, je suis pas accrédité de postuler là-dedans. Alors, pour faire simple, il suffit seulement de. Bon, mais nous, on n'a pas le temps de patienter, mais vous allez voir ici, envoyer. Dès que vous avez cliqué envoyer, c'est tout, le tour est joué. Mais on va regarder ces conditions-là. Alors, c'est quoi les conditions? Bon, en réalité, les conditions sur lesquelles j'ai déjà parlé, c'est ces conditions-là qui vont vous permettre directement de en avoir de l'argent ou bien gagner de l'argent sur Facebook. Alors, je vous souhaite une excellente soirée et postuler, c'est possible, ce n'est pas quelque chose de diabolique, c'est possible pour moi, c'est possible pour vous, malgré nos situations actuelles, qu'on n'a pas beaucoup de fans, malgré ce que nous sommes en train de faire, ce qui est un peu regrettable. Entre-temps, on a une association ici, association YouTubeur de moins de 1000 abonnés. Vous pouvez aussi postuler ou bien aimer cette page pour que nous puissions aussi avoir une discussion entre nous en tant que youtubeur ou bien la personne selon laquelle a seulement une page Facebook, que nous pouvons directement s'entraider entre nous en mode professionnel. Alors, merci, je vous aime beaucoup. Et chaque personne qui a des soucis, il sait très bien qu'il pouvait m'écrire à tout moment. Alors, et la personne qui n'a pas pu s'abonner sur ma page, au moins, ça sera génial de me faire plaisir et même m'écrire parfois aussi, ça sera aussi mieux. Alors, je vous remercie et toutes mes chers abonnés, à très bientôt.